Esapona nzambe ndo soveta maboko. Na banza kieto zeko tato la kombo ya nzambe. Na banza kieto zeko tato la kombo ya nzambe. Peo soveta la maboko malamu, 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 malamu. Si vous avez bientôt, vous comptez à 40 jours. Et je sais que sa promesse va se réaliser. Vous me chercherez et vous me trouverez. Parce que là nous allons les chercher de tout notre cœur. Et nous les trouverons. Et avec lui nous trouverons tout ce qu'il nous faut. Parce qu'avec lui il y a tout ce qu'il nous faut. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre saison de 40 jours devant le Seigneur, c'est avec Dieu nous ferons des exploits. Je prie que cela ne devienne pas un slogan dans ta bouche, mais que cette proclamation de foi devienne une réalité dans ta bouche. Qu'avec Dieu tu puisses faire des exploits. Qu'avec Dieu les exploits deviennent le Bawana. Psaume 60, Banjembo, tuku, motoba, versets 13 et 14. C'est notre texte de base. Wana litangi na biso moboko. Nous reviendrons souvent ici. Tokozonga mingi mingi awa. Et vous allez entendre les richesses de Dieu au travers de plusieurs personnes qui vont exploiter le même terme. Pe bokomona bomengo ensemble. Nanzela basale belo bakosela kaka litangi wana kasina balolenge bele. J'ai souvent admiré le Seigneur. Mingi mingi na lula kanzambe. Le même texte. Kaka litangi moko wa. Mais une richesse particulière viendra de ce même texte. Kasi bomengo bokese na bokese zo ya kaka na litangi moko wa. Donc je me prépare déjà à l'admirer au travers de toutes les richesses que nous aurons. Bongo naza komilenge la kolula Jesus nanzela bomengo nyoso na tokozwa. Parce que avec Dieu, il n'y a pas de concurrence. Et ça la mais il y a la complémentarité. Et c'est ce qui va se passer ici. Chacun qui viendra apportera un complément sur ce qui existe déjà. Et aujourd'hui nous lisons le texte de la Bible du semeur qui nous dit ceci. Le psaume 60. Viens nous secourir contre l'ennemi, car il est bien illusoire le secours venant des hommes. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui
Amen. Non, est-ce que ton amen peut être un peu plus? Amen. Nous sommes ici devant une prière mélangée de proclamation de foi. Nous lisons cette prière. L'homme qui invoque Dieu. Il dit, viens nous secourir. Parce que si nous comptons sur les hommes, les secours des hommes, ça n'a pas d'efficacité. Mais nous savons qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Parce que lui écrasera nos adversaires. Ce contexte ici, bien-aimé, nous permet d'abord d'isoler chacun de ces mots-là. Pour comprendre un peu le contexte de chaque mot clé qui est dans ce verset. Et aujourd'hui, je vais tirer trois de ces mots-là. Exploit. Bikamwa. Ça veut dire quoi dans ce contexte? Et koloba nini na zingela oyo? Et comment nous ferons des exploits avec Dieu? Bena itokosala bikamwa elongo na Nzambe. Qu'est-ce qu'il représente pour nous pour que nous arrivions à faire des exploits? Nini yango azotalisa pona biso poto sala makambo minene to bikamwa. Je vais plus m'atteler sur l'aspect des exploits. Na komi vandisa mingi na oyetali makambo minene to bikamwa. Et sur l'aspect de Dieu qui nous aider à réaliser des exploits. Et quand il nous aide à réaliser des exploits, au même moment, il est dit qu'il écrase nos adversaires. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par le terme exploit? Parce que ce sont des choses que nous allons réaliser. Sans aller dans les dictionnaires, je ne suis pas allé dans les dictionnaires. Moi, je suis rentré dans les textes de l'Ancien Testament. Dans la langue où ce verset était écrit. Pour comprendre qu'un exploit, c'est le résultat des efforts qui dépassent l'entendement de la personne. C'est un acte qui est réalisé à partir des efforts supérieurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être acte ordinaire. Ce n'est pas nécessairement extraordinaire. Mais c'est ordinaire. Ça devient exploit. Parce que celui qui réalise ça n'est normalement pas en mesure de le faire. Il a un effort supplémentaire. Bon, si j'appelle pas toi. Si j'appelle Olivier Azawa. Il est où Olivier? Azawa Bi Olivier. Ah, il est là-bas. Azakuna. Si j'appelle Olivier. Soki na bengi Olivier. Je dis Olivier, viens. Monsieur Olivier Yaka. Déplacer cette chair. Longola et Mao et Tumbeloyo. Par Olivier, je vais entendre quelqu'un qui est. Olivier Nazolo Bela Moto Aza na makasi. Il va faire des efforts, il va déplacer. Akosala makasi ako longola yango. Ça sera un acte tout à fait normal. Mais si j'appelle un enfant de l'école de dimanche, de 4 ans, il y a 4 ans, je lui demande de déplacer la chair. La chair, s'il arrive à déplacer, il a fait un exploit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il a posé un acte qui est au-delà de ses efforts. C'est un acte que quelqu'un d'autre peut poser. Mais lui, dans son entendement, il n'est pas en mesure normalement de le faire. Mais il arrive à le faire parce qu'il a une force supplémentaire. Alors, selon la Bible, il y a des actes que Dieu fait naturellement parce qu'il est Dieu. Et il y a des actes que nous faisons parce que nous sommes des hommes. Et
Donc dans ce cadre ici, les exploits, c'est le fait que nous soyons capables de faire ce que Dieu peut faire. Je ne sais pas si tu m'as compris. Si un enfant de 4 ans, est capable de déplacer ce qu'il a une force particulière. Si toi, en tant qu'individu, tu arrives à faire un exploit, à faire ce que Dieu peut faire, c'est qu'il y a une force. Tu ne le fais pas seul, tu le fais avec Dieu. Avec Dieu, tu arrives à poser des actes que Dieu peut faire. Je prie que quelqu'un atteigne ce niveau-là et réaliser des choses que Dieu peut faire parce que Dieu lui fait faire, ou alors parce que Dieu bloque ce qui l'empêche de faire ces choses. Il y aura plusieurs exemples que nous avons donnés. Donc soit Dieu peut te donner cette force, ou soit il peut enlever ce qui t'empêche de faire ça. Bien. Lazare est bel et bien sorti de la tombe. Abimaki Benja Nakunda. Il est bel et bien sorti de Abimaki Benza Nakunda. Il a commencé à marcher. Abandi Otambola. Les gens qui le voyaient dans la rue ne voyaient pas Jésus. Ils voyaient un Lazare qui était mort. Lazare qui était aujourd'hui en train de se faire. Il a fait ses exploits parce que Jésus a détruit le pouvoir de la mort sur lui. Quelqu'un doit commencer à comprendre. Et si Lazare est sorti de la tombe, c'est parce que Jésus a détruit le pouvoir de la mort qu'il retenait. Mais avec cette compréhension là, il va savoir que toi tu iras loin parce que Dieu va s'occuper de ce qui t'empêche d'aller loin. Il fera des exploits parce que Dieu va écraser ton adversaire. Je ne suis qu'en train de donner des exemples. Voyez le monsieur qui est resté paralysé pendant 38 ans. Jésus vient le voir. Est-ce que tu veux être? Est-ce que Olingi Obika? Non. C'est pas possible. Et quand on sait le matin, la solution qui existe, elle est là. Ezawana. Il y a l'eau. Ezana mai ya piscine ya disi. Un ange vient. On ne sait pas quand. Mais lorsqu'il passe, on voit l'eau en train de bouillonner. Les uns qui ont leurs frères, ils savent veiller. Dès que l'eau bouge, ils poussent leurs frères. Parce que la première personne qui pousse de n'importe quelle maladie. Mais moi, je n'ai personne pour m'accompagner dans cet exercice. Comme on ne sait pas, quand est-ce que l'eau va bouger? Si on le savait, ma femme serait restée ici. Moi, c'est ma fille allait m'attendre. Lève-toi plutôt. Prends ton lit et marche. Il lui donne de faire un exploit. Et le monsieur se lève. Il prend son lit. Il est en train de marcher. Mais toi, tu marches un jour de sabbat avec un lit. Comment est-ce possible? Et lui de répondre, c'est lui qui a fait que je fasse cet exploit.
Oya sali et na sala bikamba oyo. A pesi nga botindo ya kotelema. Ya kozwa meto pe ya kobanda kotambola. Nazo sala bikamwa. Quelqu'un va faire des exploits. Amen. Motomo ko sala bikamwa. Je vais dire à quelqu'un. Nazo bala motomo ko. Tu vas faire des exploits. Oko sala bikamwa. Parce que tu as affaire à Dieu. Poza likambo na Nzambe. Alors, je rentre dans le terme exploit. Je J'aimerais que nous fassions un petit exercice biblique. Parce que souvent nous parlons en l'air. Mais ici, en tout cas, retournons un peu dans la Bible. Voyons les différents aspects de ce mot exploit. Et j'aimerais que tu gardes en tête. Quand tu lis ce passage, tu te dis. J'arriverai à faire cette chose-là. Nous ne lisons pas pour lire. Nous lisons pour garder et confesser. Donc vous devez lire avec l'intention de garder cette parole. Il y a plusieurs sens. J'en ai retenu quatre. Le premier, il est dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Le verset 2. Zela mi balé. Donc je vais toujours lire ce passage ici. Bon, on a autant à tous les gangs. Retourner dans son contexte. Beko zonga na zingela na ngoya banjembo. Parce que c'est comme ça que nous devrons le comprendre. Josué chapitre 6 verset 2. Josué chapitre 6 Zela mi balé. L'Éternel dit à Josué, dit alors à Josué, regarde. Je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Amen. Amen. L'expression tous ses guerriers. Dans le texte original, c'est le même mot que exploit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose que toute une armée peut réaliser. C'est-à-dire que c'est une réalisation de toute une armée. Je te donne la ville de Jéricho. Je te donne aussi tous ceux qui sont en Jéricho. Je te donne aussi tous ceux qui sont en Jéricho. Et maintenir la guerre. Donc maintenant quand tu rentres, quand tu fais cette étude de la Bible, tu rentres dans les textes. Tu fais la relecture. Je peux réaliser ce que toute une armée fait. Donc le terme guerrier, c'est le même mot avec exploit. Ça veut dire les actes que peuvent accomplir toute une armée. Donc, avec Dieu, tu peux réaliser ce que toute une armée peut réaliser. Ah, j'ai pitié à ceux qui vont te faire la guerre. Mais non. Il va arriver des choses terribles. Des fois, le Seigneur m'aide à comprendre certaines choses. Ils vont arriver dans la vie des gens. En me montrant des images. Pendant que j'étais en retraite ici. Une nuit, quelqu'un est entré dans ma chambre. Il est venu pour m'attaquer. Mais dès qu'il est entré, il est devenu fou. Alors les autres derrière disaient, ah, retirez-le parce que il ne saura rien faire avec ce fondé-là. Allez le récupérer, ils viendront pour te faire la guerre, mais ils vont s'embrouiller. Si tu comprends ça, que Dieu te bénisse. Sur le terrain de combat, il y a des gens qui vont s'embrouiller. Ceux-là qui viendront contre toi vont s'embrouiller. Et je déclare qu'ils vont s'embrouiller. Et tu verras s'embrouiller.
On viendra vite les récupérer. Cela ne vaut pas la peine. L'ennemi lui-même va le retirer. Mais ici la Bible dit, le terme exploit, c'est ce que toute une armée peut réaliser. Et je prie, même si tu es seul, même si on te comprend pas, même si on te soutient pas, même si tu es seul contre tous, que l'Éternel te donne la force de toutes les armées, parce que l'Éternel Dieu des armées, il est le Seigneur. Deuxième sens, nous lisons ça dans Ruth chapitre 2. Ruth chapitre 2, verset 1. Il est écrit, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Amen. Amen. Le même terme qui signifie exploit, Limboli, ici est traduit par un homme puissant et riche. Non seulement dans le cadre du combat, mais dans le cadre des moyens. Donc si tu retournes dans le combat, tu diras avec Dieu, oh je vivrai comme un homme puissant et riche. Je vais réaliser des choses comme un homme puissant et riche. Ah, ce qu'un homme riche peut faire, je le ferai. Bon, si quelqu'un comprend ça, il est déjà en train de proclamer des choses dans sa vie. Donc, vous ne voyez pas le terme exploit comme un mot extraordinaire, mais ça fait partie de votre vie. Dans le combat spirituel, les exploits seront comme toute une armée en train de combattre. Dans les problèmes matériels, tu agis comme un homme puissant et riche, avec tous les moyens possibles. Pendant que je parle, le Seigneur sait que tu feras des exploits. Donc tous ces moyens sont en train de se rassembler afin de prendre rendez-vous avec toi, parce que maintenant tu es au niveau de la parole. Lorsqu'on parle, il y a un rassemblement. Vous trouvez ça dans les ossements de Jésus. Lorsque je proclame la parole, et il y a un rassemblement, les femmes prennent la place des femmes, les hommes prennent la place, chaque chose prend sa place. Et là, on est là, monsieur Sika. La prophétie, la prophétie. Même les événements commencent à prendre place. De sorte que lorsque tu sors de ce lieu, les choses déjà arrangées sont en train de se réaliser. Tu feras des exploits. Cela veut dire que tu réaliseras des choses que peut réaliser un riche très puissant. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Tu peux réaliser ces choses. Troisième image ou signification. Nous avons ça dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Samuel verset 26. Il est dit ceci. Saül aussi alla chez lui à Gibea, accompagné des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Alléluia. Amen. Ici, l'expression exploit, c'est traduit par des hommes de valeur dont Dieu a touché le cœur pour qu'il puisse t'accompagner. Yes. Des hommes qui ont de la valeur, qui ont des biens en grand nombre, qui sont considérés, Dieu a touché leur cœur pour qu'ils puissent t'accompagner dans le ministère, dans le travail que tu dois faire. Et tu vas réaliser ça comme si tu étais plusieurs personnes. Si tu m'as compris, tu es réellement béni.
Yes. Tu réalises des choses simplement parce que Dieu a touché les gens qui doivent t'accompagner. Vous savez, bien aimé, les véritables richesses dans la vie, ce sont les hommes qui ont été touchés par Dieu pour être attentifs à votre sort. La richesse de l'église, comme nous sommes là, c'est des gens qui ont à cœur l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils sont très bénis en entendant la parole. C'est tout. Et si rien d'autre ne les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est venir uniquement lorsqu'on prêche. Ils reçoivent la parole. Et maintenant, ça devient même pire. Ils ne s'aiment pas. Ils se connectent seulement. On ne sait même pas qui il est. Il prend la parole, il est béni, il reste dans sa vie. Ça, c'est pas une richesse pour l'église. La richesse de l'église, c'est des gens qui prennent à corps, à cœur, l'œuvre de Dieu. C'est ça la richesse. Maintenant, ça n'a pas besoin des amens. Yes. Mais c'est ça. Donc Dieu peut compter sur toi. Donc si Dieu a un plan pour moins qu'à 4, moins qu'à 5, moins qu'à 6, il va envoyer les anges ici. Il va compter sur qui? Les gens qui ont à cœur cette œuvre. Il va les identifier. Il va les bénir. Et puis les exploits ici se réfèrent à la réalisation des choses avec l'accompagnement des gens qui sont plus forts. Et longo na bateau balekio na makasi. Plus de moyens que toi. Balekio na makoki. En train de dire à quelqu'un. Na zoe bisa motomo kwa. Tu feras des exploits. Oko sala bika moi. Tu feras des exploits. Oko sala bika moi. Parce que Dieu mettra sur ton chemin. Bonza makotia na nzela na yo. Nous allons le voir un peu plus tard. Nous parlerons avec Dieu. Parce que lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de ses noms. S'il est Jéhovah Jireh, et tu dois faire des exploits avec lui, c'est qu'il doit pourvoir de manière à ce que tu fasses ce que tu ne pouvais pas faire sans lui. Parce que Jésus l'a déclaré, sans moi, vous pouvez mais avec moi, vous ferez des exploits. Donc, il va pourvoir dans ta vie. Même les coups de fil qui étaient rares. Même les connexions qui étaient rares. Quelqu'un t'appelle, ah, je me suis rappelé. C'est que... Oh yo. Tu avais fait pour moi. Osala kaponangai. Une fois le Seigneur m'a convaincu. Je venais de quitter Vision Mondiale. Il me dit, prends ton décompte final. Va à Sangomalam. Kende na Sangomalam. Paye toute une année. De prédication. Yamatea. J'ai signé le contrat. N'a signé contrat. Je suis allé là, j'ai pris tout ce qu'il m'a donné. J'ai payé. J'ai commencé à faire passer les émissions. Mais la bandit collègue sa émission. Obéi comme ça autant. N'a tosi kakaboué. Y'a solo. Deux ans ou trois ans après. Mibumi balet omi sat nasima. On m'invite au Canada. Babengi sera la Canada. Je me dis, je vais passer par Washington pour prendre le visa. Nabina goleka na Washington pour avoir un visa. Parce que n'avait pas d'ambassade. J'arrive à Washington. On me refuse le visa. Babo y gope sanga visa. Et puis la sœur qui m'a accueilli. Bongo ndeko mwacho yamba kingai. Reçoit une dame qui venait la visiter. Ayambi ndeko mwacho yamba kingai. Oh! Tu as cet homme ici chez toi. Osana moto yawe pa na yo. Mais ce n'est pas possible. Moi, si je suis venu en Amérique, c'est parce que j'ai suivi ces prédications. Est-ce que tu peux permettre qu'on sorte un peu? Je vais lui faire quelque chose. Je dis oui, pas de problème. Nous sommes sortis. On va dans un magasin. Tu es dans un magasin, moko. Ça, c'est votre taille. Oui, c'est ta taille. Si tenu.
Nous sommes à Washington, dans Washington. Dans ma poche, j'avais $20. C'est un montant circonstanciel de temps et de stratégie. Et j'ai dit, bon, c'est un montant qu'on ne dépense pas. Et ça, bon, on va dire, ça, stratégiquement, doit rester là. Et je regarde, et elle donne sa carte. Mais là, la paix, carte, n'aille pas, papa. $6,500. De l'objet 6 000. Oh là là. Hey. Voyez, il y a des cadeaux que vous donnez aux gens. Il a un cadeau au père Sarabato. Il prend ça, mais au même moment, voler les bénédictions chez moi. Oye ko yiba li bambo le pa langa. Papa Kobi malesusu. Nous sommes sortis. Okay. Est-ce que tu as un compte bancaire? Oza la compte na banque. J'ai dit hein. Y'a bien hein? En Amérique. Mais États-Unis hein? Celui qui est au Congo là. Ouais, ça na Congo hein. C'est un compte qu'il faut toujours réveiller. Eza comme faut la musango pour la laka. Par manque d'activité. Ezangi mosala. Faut la musango tango na tango. Ça je vous dis, ça date de 98, c'est pas très très loin. Donc, le compte là, il faut toujours le réveiller. Quand on est fort au Lamoussarango, parce qu'il s'endort. Et là, la camus, et ça la musalaté. Il dit non mais donne ton passeport. Fais ça passeport là, na fais ça. Na compte. Il dit, est-ce que vous pouvez transférer $35,000? Pourquoi transférer $35,000? Hey. Je ne savais pas que l'argent aussi pouvait donner la joie. Hein. J'ai commencé à avoir la joie immédiatement. Je crois que si je voyais un malade, là, j'allais le guérir. Mais ça n'avait rien à voir avec l'onction. Donc je me sentais très fort là. Non, ce n'était pas l'onction. Et puis on ouvre le compte. Et puis je ne sais même plus ce qu'elle a payé. Elle a payé, je crois que c'est 2002. Elle m'a payé $10,000 pour l'enregistrement de mes études. $10,000 pour la... Mes études doctorales. La doctorat. Que j'ai rempli sans rien. $10,000. Toi, tu as combien? Osana combien? Non, ce montant-là, on ne le prononce pas. Je vais envoyer ça pour toi. En un jour. Parce que Dieu n'a pas permis que j'aille au Canada. Que l'acte que j'ai posé de lui obéir. Et de travailler pendant toute une année sans rien. Comment on souffrait à la maison. Mais en un jour. Avec Dieu. Et j'ai fait des exploits. Je rentre. Na zozonga, plein d'habits, plein na de bilambe, bénédictions. Bele, na et le reste secret et encore la force pour servir. Je suis en train de donner ce témoignage. Na dire, il y a un Jéhovah Jireh dans ton affaire. Il y a un Jéhovah Jireh dans ton affaire. Il y a un Jéhovah Jireh dans ton affaire. Il va t'accompagner. A kotambole longo na yo. Et tu feras des choses avec les gens de bonne volonté. Mais au conseil, ma kamala batamote ma malamu. Pas été créé pour être entouré seulement de gens de mauvaise foi. Ok, là, je vais te dire que je vais te dire que je vais te critique. Qui sait que tu feras des exploits? Il va pourvoir dans ta vie. Des gens de bonne foi. Des gens animés de bonne volonté. Ils viendront t'aimer pour toi. La quatrième chose, je suis juste en train de parler des aspects des exploits.
La quatrième chose et l'okwamine se trouve dans 1 Samuel. Et là, Samuel a yambo. Chapitre 14. Mokapazo minamine. Verset 48. Il est écrit ceci. Et comment mi boy? Il signala sa bravoure en battant les Amalécites et en délivrant Israël de ceux qui le pillaient. Il s'agit de Jephté. Ah, ils allaient comme Jephté. Il signala sa bravoure. Atali sakibo makasinaye. En battant les Amalécites et en délivrant Israël de ceux qui le pillaient. Ici le terme exploit est lié à une bravoure. Cette force qui te permet de braver les obstacles. Et non pas quel obstacle. Les gens qui viennent voler dans ta vie. Ils ont mis des systèmes en place pour te plier systématiquement. À peine tes affaires commencent à avancer, une série de maladies, J'étais en train d'expliquer que le terme biblique exploit ne peut pas être défini comme nous pensons. C'est des choses que les gens voient que nous sommes formés. Ici, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Dieu qui intervient pour que nous soyons en mesure de réaliser ce que nous ne pouvions pas réaliser. Alors, sur le plan du combat spirituel, tu vas déployer une force semblable à celle des armes, des guerriers. Et si cela était le cas avec Israël, ça sera le cas avec toi, parce que les armes avec lesquelles tu combats ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Et toi, les armes qui t'accompagnent, ce sont pas les armes d'Israël, mais les dieux d'Israël. Il s'agit des anges et de tout ce qui peut venir. Dieu mettra en place un système pour te défendre, mais aussi dans le terme des moyens matériels. Tu vas réaliser des choses que rien que les riches ne peuvent réaliser. Les gens qui sont puissants et qui sont riches, toi aussi tu vas réaliser des choses parce que Dieu est avec toi. Non seulement cela, mais tu vas réaliser des choses avec le soutien de la provision de Dieu en ressources. Et que Dieu t'aide à avoir une bravoure qui te permet de mettre fin au système de vol, de réclamation, parce que Dieu veut te faire aller de l'avant. Je n'ai pas pris tous les sens de ce terme exploit. J'en ai pris que 4. Il y en a plus. Élément ou mot-clé que je voulais soulever. Et l'autre ami baléto, l'ilobami balé, à fond de la ligne de la tali. Ça concerne Dieu. Ezalin Zambé. Parce qu'il a dit avec Dieu. Oui, l'obami est longo nan Zambé. Avec Dieu. Et longo nan Zambé. Toko salabika mo. Si vous tombez sur la Bible
names of God Bible. Dans cette Bible là, vous allez pas trouver rare, vous allez trouver rarement l'Éternel. Vous allez voir Yahweh, El Shaddai. À chaque niveau. Na epimelo, na epimelo. On mentionne le vrai nom de Dieu qui était placé à ce niveau là. Batiaka kombo solo Nzambe lesika wana. Oyo balimboli na nkolo to na Yahweh. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller là-bas passer. Vous allez poser au kende, vous allez tenir ici na kenda kuna bona bino. Et il y a trois éléments. Lié à ce verbe ici, plutôt à ce texte ici, en rapport avec Dieu, il y a trois noms de Dieu qui accompagnent ça. Et j'ai prié qu'il t'accompagne dans ce texte extraordinaire. Le premier terme, c'est le terme Emmanuel. Emmanuel. Parce que c'est avec Dieu est avec nous. C'est comme ça que la Bible dit, si bon, Dieu est pour nous, ce qui nous a mis bon abisso, il va réussir en état contre. C'est par rapport à ta réussite. Dieu est de ton côté. Et parce qu'il est de ton côté, les projets de l'adversaire doivent échouer. Parce que Dieu est avec toi. Parce qu'il est avec toi. Le premier sens de tes exploits viendra du fait que Dieu va enlever ce qui t'empêche de progresser. Et un très bon texte que nous trouvons à propos de ça est dans Ésaïe chapitre 8, verset 5 à 10. Ésaïe chapitre 8, verset 5 à 10. Ésaïe chapitre 8, verset 5 à 10. Il est écrit ceci: l'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétin et du fils de Remalia, voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, oh Emmanuel. Je m'arrête d'abord là. Quel est le problème ici? Le problème, c'est que Dieu est en train de regretter. Il leur a donné les eaux de Siloé, symbole de l'esprit. Mais comme ces eaux, sont méprisables, le peuple a voulu se confier au roi Ramalia et Rétim. Et Dieu se dit, mais comment? Moi, je vous ai montré une fois par laquelle je peux vous soutenir, mais vous avez refusé mon soutien. Vous allez vous accorder avec Rétim et Remalia qui sont de Samarie. Je vais laisser le roi d'Assyrie vous attaquer. Ici, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a des gens qui rêvent. Ils voient qu'ils sont dans des grandes eaux qui sont en train de les. Ici, c'est l'image d'un roi qui vient vous ravager. Et un roi qui vient comme le fleuve. Il déborde de son lit. Et l'eau commence à arriver jusqu'au cou.
Et puis il est écrit ici que ça va atteindre même la région d'Emmanuel. Voilà la situation. Parce que tu as méprisé les eaux ou le soutien du Saint-Esprit. Tu es allé chercher le soutien des autres. Ces autres-là, ils ont aussi des ennemis. Alors, Dieu va permettre que leurs ennemis viennent les menacer. Et comme toi, tu cherches le soutien là-bas, tu vas attraper. L'ennemi viendra te ronger, te dominer à partir de là. C'est comme si Dieu veut que tu lui fasses confiance. Alors, tu fais confiance à un homme. Maintenant, cet homme-là a un ennemi. Pendant que tu es allé te cacher chez lui, à son ennemi, Dieu permet que son ennemi vienne le rejoindre. Donc là, il va t'attraper. Alors, si tu fuis, c'est quelqu'un d'autre. Lorsque l'ennemi viendra, tu seras sans force. Mais si tu es du côté de Dieu, c'est ici que le verset commence. Pour ceux qui font confiance à l'Éternel, verset 9, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin, préparez-vous au combat. Et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Car nous avons Emmanuel. Amen. Amen. C'est comme si ces eaux-là qui sont remplies sont arrivées juste dans les territoires d'Emmanuel. Et Emmanuel dit, Emmanuel dit, awa, ici tu ne sais rien faire. Parce que ici c'est mon terrain. Donc là où je suis, les gens peuvent faire des complots contre les gens. Ça ne marchera pas. Ça ne réussira pas. Parce que la Bible dit, lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le met en fuite. Donc quand tu es dans des sens comme ça, tu témoignes, tu invoques l'esprit de l'Éternel, il te sortira de ces eaux. Il peut faire tarir ces eaux. Et les transformer en un désert. Il est l'éternel Dieu des armées. Il est suffisant de lui-même. Et le nom d'Emmanuel nous fait comprendre que parce qu'Emmanuel est avec nous, Emmanuel les gens forment des complots, ça sera sans effet. Et les gens montent des cris de guerre contre nous, ça sera sans effet. Parce que nous avons avec nous Emmanuel. Et aussi longtemps qu'Emmanuel est avec nous, il nous sortira des griffes de la misère. C'est ici l'exemple que je vous ai donné de Lazare. Aussi longtemps que Jésus n'était pas là, la mort pouvait prendre son ami Lazare, le dominer, l'aller l'enterrer et commencer à détruire son corps. Mais Emmanuel arrive. Emmanuel a commis. Emmanuel, Dieu avec nous. Même si tu te trouves dans cet état de culture, il peut te redonner la capacité de faire ce que tu ne savais pas faire. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un, en 2023, si Lazare a pu sortir de la tombe, parce que Dieu l'a trouvé, mais toi, tu n'es pas dans la tombe, tu es déjà en train de circuler, tu feras encore beaucoup d'espoir. Parce que Lazare est sorti de la mort, mais toi, tu es déjà en dehors de la mort. Et parce que tu es avec lui, là où il va te rejoindre, il t'amènera loin. Tu vas réaliser des choses. Parce que tes ennemis seront bloqués par Emmanuel. Leur pouvoir sera détruit par Emmanuel. Leur plan sera détruit par Emmanuel. Voilà pourquoi tu vas traverser 2023-2024 comme si de rien n'était. Il y a un plan contre toi qui a été détruit par Emmanuel. Il y a des maladies qui vont être déviées par Emmanuel. Il y a des accidents interrompus par Emmanuel. Il y a des cauchemars détruits par Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel.
Emmanuel. Parce qu'il est avec toi. Oh, les cris de tes adversaires ne veulent rien dire. Donc maintenant, nous pouvons lire ça. Mais si nous restons dans l'optique de Judas, seulement, nous n'allons pas comprendre. Mais c'est mieux de retourner vers la vie. Alors, ce n'est pas aux guerriers qu'on est en train de dire. On va dire à ces sorciers-là. Formez des plans de sorcellerie contre vous. Ça va pas marcher. Fabriquer des masses. Jetez-les vers nous. Ça sera sans effet. Sans effet. Il faut voir ces choses de ton entourage. Projetez par tes adversaires. Ça n'aura pas d'effet de toi. Parce que tu as Emmanuel. 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 Je ne veux pas aller trop loin. Je vais revenir dans ces aspects un peu dans tout le temps que nous aurons. Ça va être introductif. Et parce que le temps est parti. Le deuxième nom ou le deuxième aspect de Dieu ici. Je vais fusionner les deux. Le rocher et le refuge. Il est notre rocher. Il est notre refuge. C'est très important, bien-aimé, que nous puissions comprendre ces deux aspects là. D'abord l'aspect du rocher. Ça évoque une stabilité. Ça évoque la stabilité de la vie. C'est le contraire de l'eau. L'ennemi est présenté comme un courant d'eau qui vient vous envahir. Ou vous engloutir. Mais Dieu est présenté comme un rocher. Contrairement à celui qui vous engloutit. Mais si tu es sur lui, tu ne peux pas t'enfoncer. Tu ne peux pas disparaître. Si tu es sur l'eau, l'ennemi peut entrer sous l'eau et faire une pression dans ta vie. Mais si tu es sur le rocher, il ne sera pas passé travers le rocher. Parce que le rocher garantit ta stabilité. Et cette stabilité, elle est à trois niveaux. D'abord, la stabilité de Dieu lui-même. Parce qu'il ne bouge pas. Il ne change pas. Il reste le même. Les hommes changent. Leur soutien change. Leur présence change. Mais Dieu ne change pas. Sa présence est stable. Et parce qu'il est stable, chaque fois que j'irai chez lui, je serai sur un terrain stable. Je ne vais jamais m'enfoncer. Parce que je suis sur celui qui est stable. Cette stabilité est d'abord liée à lui. Et puis la stabilité aussi est liée par rapport à ce qu'il nous donne. Comme lui-même est stable, son amour est stable. Il t'aime avec un amour stable. Son soutien est stable. Son accompagnement est stable. Sa miséricorde est stable. Et parce qu'il est avec lui. Et que lui est stable. Ce qu'il te donne est stable. Voilà pourquoi tu vas faire des exploits. Parce que tu dépends d'une source stable. Ceux qui dépendent des sources humaines, vous pouvez progresser avec eux. Et puis à un moment donné, ils ne viennent plus à l'école. Pourquoi? Non, papa est mort. Oh, il n'y a personne pour me soutenir. Mais ceux qui ont un système, une compagnie qui a signé un contrat, même si le papa n'est pas là, on continue à prendre en charge dans les cadres d'une alliance, cet enfant va toujours continuer. Donc il y a des choses que nous avons pendant un temps et qui disparaissent parce que leurs sources ne sont pas stables. Mais Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
Et parce qu'il est stable, ce qu'il nous donne est stable. C'est pourquoi le psaume dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que ce qu'il nous fera faire, nous n'allons pas le faire une fois. Nous n'allons pas le faire deux fois. Nous n'allons pas le faire trois fois. Nous allons le faire toujours et 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 toujours. Et que quelqu'un qui se confie en Dieu puisse trouver ce soutien stable. Le troisième niveau de la stabilité, c'est le produit de ce que toi tu fais. Ça vient d'un Dieu qui est stable. Ça te stabilise toi-même. Et le produit que tu amènes est aussi stable. C'est pourquoi Jésus dit, moi je suis le sept, vous êtes des branches. Si vous êtes attachés à moi, vous porterez du fruit, mais du fruit qui demeure. Le fruit qui demeure, parce que tu es stable, Dieu te fera faire des choses qui demeurent. Il y a des choses, des gens qui vont disparaître, mais ce que toi tu vas faire, ça demeure. Pourquoi? Parce que c'est un exploit. Ça vient d'un Dieu qui ne va pas faire disparaître ça. Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un. Il doit comprendre que même si vous êtes à 10, vous faites ce commerce-là, vos œuvres demeureront fermes, parce que votre bénédiction vient de l'Éternel. Et il n'en fait suivre d'aucun chemin. Alors que ceux qui sont allés dans les cimetières, alors que ceux qui ont reçu le pouvoir infernal, Et parce que tu es avec l'Éternel, parce qu'il est Emmanuel, il est présent, mais sa présence est stable. Voilà le rocher. Et nous allons revenir à ça de temps en temps quand nous parlons, parce que tu es sur un rocher et tu es dans une stabilité, mais il est aussi le refuge. Nous verrons ça plus tard. Le refuge évoque deux choses: la sécurité contre la vengeance et la justice de la restauration. Retenez, nous viendrons sur ça un autre jour. La sécurité contre la vengeance et la justice de la restauration. Rappelez-vous qu'à l'époque d'Israël, il y avait des cités ou des villes de refuge. Quand quelqu'un a commis un péché, même s'il a tué quelqu'un, au lieu qu'on se venge de lui, il doit fuir jusque dans la cité de refuge. S'il n'atteint pas cette ville, tout à l'heure, Il demande qu'est-ce que tu as fait. Il demande qu'est-ce que tu as fait.
c'est là où il va t'apprendre la réparation de t'abaisser, de demander pardon, de aussi, afin que tu sois en mesure de continuer. Et de nous verrons ça plus tard. Ce sont des notions qui viennent s'ajouter. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'était de nous faire comprendre. Et nous entrons avec un thème qui, dont les réalisations sont très variées. Mais nous devons savoir qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il nous donnera une force qui est au-delà de nos capacités. Mais au même moment, il traitera les sorts de l'adversaire. Tout en progressant, l'adversaire ne peut pas nous venger. L'adversaire ne peut pas nous tirer derrière. Parce que Dieu est en train de prendre soin de ces aspects de notre vie. Si tu as compris ça, tu es maintenant prêt à entrer dans cette histoire. Parce que la dernière chose, c'est ce que la Bible dit. Ce soutien-là, ces exploits-là, nous les faisons en priant, en demandant, en invoquant le Seigneur. Et il dit, donne-nous le secours dans notre détresse. Donne-nous le secours. Notre secours n'est pas simplement qu'on puisse vaincre l'adversaire, mais une fois l'adversaire vaincu, nous puissions progresser à la réalisation de notre destinée. Qu'il en soit ainsi, et que cette parole soit bénie dans notre cœur, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Seigneur. Nous allons progresser dans les exploits avec le soutien de notre Dieu. Avec le soutien d'Emmanuel, Emmanuel, avec celui qui est le rocher, et celui qui est notre refuge. Ici, nous n'avons aucune idée. Mais le mot refuge veut dire une très haute tour. Imaginez-vous un bâtiment de 100 niveaux. Si on vient te chercher, on prendra combien de temps pour te trouver? On ne sait pas où tu es. Premier niveau, 50e, 60e. C'est ça l'image que Dieu a. Il te loge dans un immeuble, mais cet immeuble-là est sécurisé. C'est-à-dire, il y a des gens qui protègent ça. Vous ne savez pas entrer si vous n'avez pas la permission. Et vous ne savez pas aller. Non, j'ai pitié. J'enlève même la pitié. Ils ne te trouveront pas. D'abord, un, ils ont l'accès difficile. Et même s'ils accédaient, ils ne savent pas où te trouver. Je termine avec un témoignage d'un sorcier qui avait déclaré ceci quand je parlais avec. Et moi, je savais où trouver mes enfants. Partout, ils vont dans le monde. Et si je vais les envoûter, si je vais les voir, j'allais sans problème. Parce que le sang que nous partageons, moi je le vois dans le monde des ténèbres comme des petites lumières. Quand j'invoque mon Dieu là, il me montre partout les gens qui partagent mon sang. Et je peux aller les trouver là. Je vais aller les trouver là. Mais depuis que certains ont reçu Jésus, leur sang de Jésus là, ça a couvert. Je ne sais pas les voir. Je les ai perdus. Je ne sais pas où ils sont. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Inclinons-nous dans la prière pour nous consacrer à cette période, le chercher de tout notre cœur. Et pendant que nous sommes en train de nous préparer, je vous annonce déjà que nous aurons une discipline. Et si que le Seigneur puisse t'aider à obéir à cette période.
à l'exception de la première semaine, à l'exception de la dernière semaine, toutes les autres semaines, nous allons jeûner le mercredi, le jeudi et le vendredi. Tokoki la mercredi, jeudi na vendredi. Toutes les autres semaines, à l'exception de la première et de la dernière semaine, engage-toi à chercher Dieu. Cette fois-ci, les exploits, tu les feras. Tu les accompliras. Regarde les secteurs de ta vie. L'ennemi est encore à la charge. Tu vas chercher Dieu pour qu'il intervienne en ta faveur. Il bloque cet adversaire-là et il te donne sa force pour progresser. Invoque le Seigneur. Sa grâce est à ta disposition. Père, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de t'aimer, de marcher avec toi, de vivre dans ta présence. Laisse que ta parole devienne esprit et vie en nous, que nous vivions par elle. Celle-là qui a créé le monde, qu'elle nous accorde la capacité de voir notre avenir différemment et de marcher dans la réalisation des exploits dans tous les secteurs de notre vie. Nous voulons que tout ce que nous sommes en train de faire nous réussisse, puisse réussir pour nous. Et il est possible avec toi. Merci Seigneur. Bénis encore ta parole dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Nous acclamons très bien le Seigneur.